attends le dentiste. Du volet. Donc charmante petite maison, enfin petite maison, non, grande maison avec deux cabinets de dentiste qu'on a vu pour l'instant. Donc c'était un ancien dentiste qui a dû prendre sa retraite, je pense, et qui n'est plus là. Donc ben voilà, c'est parti pour la visite. Est-ce que tu as des trucs sur le nom du lieu? Non, on nous l'a annoncé comme Fernand l'arracheur de dents. Donc on va le garder comme ça. Je trouve ça assez marrant. Puis voilà. Bon, on est parti? Allez, je te Allez, suis. go! On te suit parce que maintenant on a fait une recrue. Ouais, on a fait une recrue, mais elle restera pas longtemps. Je pense pas. Je reste sur ma faim. Est-ce que tu as filmé le petit étang bien sympa sur la terrasse là? Non. Non. T'as envie de sortir une connerie comme t'es là ou quoi? Non. Non? Bah ça a super bien commencé, mais le reste, bon. Alors, bizarrement, il reste les deux salles d'auscultation du dentiste. Le reste, c'est vide et en restauration. Ou ça a été restauré, ça a abandonné. Le placo a été posé, tout ce qui est boiserie, comme on peut voir, a été poncé en partie, même les portes. Donc voilà, c'est assez incompréhensible ce qui se passe ici. Donc, bilan, bah, en fait, on a visité une maison vide. Grande maison, belle maison. Dont les souterrains qui sont pas mal, on se croirait dans les souterrains de château. Et donc à part les deux salles d'auscultation, ben, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Bon, ben, c'est tout. T'as rien à rajouter, non? Bon, ben, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut!